Je me souviens au début de mon mariage, j'avais un problème, c'est que j'étais marié, mais j'avais toujours un esprit célibataire. Alors j'avais déjà mon train de vie, je fais ceci à telle heure, ceci à telle heure, telle heure, telle heure, telle heure, et j'épouse une femme, je continue comme ça. Alors un jour je devais aller quelque part, elle était en retard, j'ai pris la voiture, j'ai démarré, je l'ai laissée. Et je vais, j'ai fait l'œuvre de Dieu, j'ai prêché tout, tout, tout. Quand j'ai dit Amen, eh bien il fallait rentrer. Alors j'ai dit, ben, normalement il doit être en colère parce qu'elle était en train de s'arranger, elle était en train de se préparer. Et tu t'imagines, tu es en train de t'arranger, de te préparer. Et la voiture a démarré, donc je m'attendais à trouver une femme en colère. Parce que quand on est charnel et on te laisse comme ça devant ton miroir, tu dois être en colère. Et donc ce mari-là, tu vas l'attendre avec le feu, vrai ou faux. Et moi j'attendais le feu. Alors j'entre dans la parcelle et tout. Et déjà, je me prépare à une discussion. Cabani, pourquoi tu m'as laissé? Il fallait attendre un peu plus. Et moi, j'allais argumenter, mais tu connaissais déjà que telle heure je devais aller, je dois être à temps, je ne peux pas être en retard. J'avais déjà préparé mon argumentation, me préparant à ce qu'elle soit charnelle. Et j'arrive là avec déjà l'attitude de la boxe. Il n'y avait pas match. Sonia, quelle honte. Elle me reçoit bien. Oh, calmement. Elle me donne la nourriture, elle me reçoit bien. Oh, j'ai dit, où est les feux? Et puis moi, j'introduis, j'ai dit, t'es pas fâché? Elle dit, non. Oh, mais je t'ai laissé, non? Elle dit, oui, tu as raison. J'étais en retard et tu devais être à temps à ton rendez-vous. C'est ma faute. Hé, la Bettina Pesa est percute. Tu peux taper quelqu'un sans le toucher avec l'amour. Tu sais, ce jour-là, j'ai respecté Blanche. Hein? J'ai dit, waouh, tu as de la maîtrise. Hein? Tu as de la maîtrise. Et puis, je lui ai acheté sa propre voiture. Comme ça, on est la paix. Moi, je n'ai pas un monsieur qui m'aime. Jusqu'aujourd'hui. C'est là que j'ai décidé d'acheter sa voiture.